Seigneur, nous savons que tu aimes sans mesure, toi qui n'as pas refusé ton propre Fils, mais qui l'as livré pour sauver tous les hommes. Aujourd'hui encore, montre-nous ton amour. Nous voulons suivre le Christ qui marche librement vers sa mort. Soutiens-nous comme tu l'as soutenu, et sanctifie-nous dans le mystère de sa Pâque, lui qui règne pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur, il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche. Comme un agneau conduit à l'abattoir, comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Qui donc s'est inquiété de son sort? Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches, et pourtant il n'avait pas commis de violence, on ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec les puissants, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort, et il a été compté avec les pécheurs. Alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit.
En tes mains je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule, ils s'accordent pour m'ôter la vie. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis tu es mon Dieu. Mes jours sont dans ta main, délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. Sur ton serviteur que s'illumine ta face, sauve-moi par ton amour. Soyez forts, prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. Ô Père, dans tes mains je remets mon esprit. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Parole éternelle du Père, gloire à toi, Jésus-Christ. Parole éternelle du Père, gloire à toi, notre vie. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort, et la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté, il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Parole éternelle du Père, gloire à Dieu.
Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats ainsi que des gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit : « Qui cherchez-vous ? » Ils lui répondirent : « Jésus le Nazaréen. » Il leur dit : « C'est moi, je le suis. » Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit « C'est moi, je le suis », ils reculèrent et ils tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau « Qui cherchez-vous ? » Ils dirent « Jésus le Nazaréen. » Jésus répondit « Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. » Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dite « Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. » Or, Simon-Pierre avait une épée, il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre « Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire ?» Alors la troupe, le commandant et les gardes juifs, se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil : il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre, ainsi qu'un autre disciple, suivait Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre : N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples de cet homme ? Il répondit : Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit : Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu ? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant : C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre ? Jésus lui répliqua : Si j'ai mal parlé, montre ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu ? Anne l'envoya, toujours ligotée, au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit : N'es-tu pas toi aussi l'un des disciples ? Pierre le nia et dit : Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista : Est-ce que moi, je ne t'ai pas vu dans le jardin avec lui ? Encore une fois, Pierre le nia. Et aussitôt, un coq chanta. Alors on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin.
Ceux qui l'avaient amené n'entrèrent pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda « Quelle accusation portez-vous contre cet homme ?» Ils lui répondirent « S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne t'aurions pas livré cet homme. » Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et jugez-le suivant votre loi. » Les Juifs lui dirent « Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. » Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire, il appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui demanda « Dis-tu cela de toi-même, ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet ?» Pilate répondit « Est-ce que je suis juif, moi ? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait ?» Jésus déclara « Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. » Pilate lui dit « Alors tu es roi. » Jésus répondit « C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix. » Pilate lui dit « Qu'est-ce que la vérité ?» Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara « Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs ?» Alors ils répliquèrent en criant « Pas lui, mais Barabbas. » Or ce Barabbas était un bandit. Alors Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats tressèrent avec des épines une couronne qui lui posèrent sur la tête, puis ils le revêtirent d'un manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient « Salut à toi, roi des Juifs !» Et il le giflait. Pilate, de nouveau, sortit dehors et leur dit « Voyez, je vous l'amène dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Jésus donc sortit dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara « Voici l'homme. » Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate leur dit « Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. » Ils lui répondirent « Nous avons une loi et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il rentra dans le prétoire et dit à Jésus « D'où es-tu ?» Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors « Tu refuses de me parler à moi. Ne sais-tu pas que j'ai pouvoir de te relâcher et pouvoir de te crucifier ?» Jésus répondit « Tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. » Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher. Mais des Juifs se mirent à crier « Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi s'oppose à l'empereur. » En entendant ces paroles, Pilate amena Jésus au dehors. Il le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu « Gabata ». C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la sixième heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs « Voici votre roi !» Alors ils crièrent « à mort, crucifie-le !» Pilate leur dit « Vais-je crucifier votre roi ?» Les grands prêtres
répondirent : Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Ils se saisirent de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu-dit le crâne ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville, et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors, les grands prêtres des Juifs dirent à Pilate « N'écris pas roi des Juifs, mais cet homme a dit « Je suis le roi des Juifs ». Pilate répondit « Ce que j'ai écrit, je l'ai écrit ». Quand les soldats eurent crucifié Jésus, ils prirent ses habits, ils en firent quatre parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée tout d'une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, « Ne la déchirons pas, désignons par le sort celui qui l'aura. » Ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes habits, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus se tenait sa mère, et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit au disciple, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit « J'ai soif ». Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et on l'approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit « Tout est accompli ». Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit. Comme c'était le jour de la préparation, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat, d'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Alors les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique, et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi, vous croyez. Cela en effet arriva pour que l'Écriture s'accomplisse. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore : Ils lèveront les yeux
vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui au début était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès pesant environ 100 livres. Ils prirent donc le corps de Jésus, qu'ils lièrent de linge en employant les aromates selon la coutume juive d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'ils déposèrent Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, en ce vendredi saint, l'Église suit pas à pas Jésus sur le chemin de son calvaire. Elle reconnaît dans la passion du Christ tant d'autres chemins de souffrance et de don de soi vécus par les hommes et les femmes de notre humanité. Depuis les origines et partout dans le monde, ils sont si nombreux à subir le poids du mal, la faim et la misère, la guerre et la persécution, l'injustice et la trahison, le terrorisme et la vengeance, les cataclysmes, les maladies. En tout lieu et en tout temps, de bien des manières, l'humanité est confrontée à la puissance du mal. Aujourd'hui, elle fait face à un virus tueur extrêmement contagieux. Ce soir, la passion de Jésus nous unit à toute l'humanité souffrante. En Jésus crucifié, nous la portons au Père dans notre prière. Dans la passion de Jésus, nous reconnaissons les chemins de souffrance vécus par tant d'êtres humains. Et cependant, frères et sœurs, la passion de Jésus a quelque chose d'unique. Le chemin de croix de Jésus ne peut se confondre avec aucun autre. Il est incomparable. Saint Jean nous donne de le contempler ce soir. Car, dans le mystère de Jésus crucifié, se joue un drame inouï, jamais connu dans l'histoire de l'humanité. Un drame qui ne se répétera jamais plus. Frères et sœurs, sur la croix du Golgotha, ce n'est pas seulement au combat d'un homme contre le mal et la souffrance auquel nous assistons, comme tant d'autres dans notre monde. Ce que nos yeux voient en Jésus élevé de terre, c'est l'immense combat de Dieu lui-même contre le mal et le péché des hommes. Sur la croix, Jésus a ouvert en lui le passage au mal et au péché des hommes. Sans y participer lui-même, par amour pour nous, il les a accueillis en lui. Et le mal sur lui, cet absolu refus de l'amour, s'est déchaîné jusqu'à l'extrême. Sur la croix, Jésus a ouvert en lui le passage à l'infinie puissance d'amour qu'est Dieu. Le Fils s'est totalement abandonné à l'amour de son Père, qui a œuvré jusqu'à l'extrême en lui. Parce que le Christ a laissé le mal et les péchés des hommes prendre place en lui, parce qu'il a laissé tout l'amour du Père venir en lui, il est devenu, en sa personne, le lieu d'un formidable combat, le lieu d'un combat cosmique, le lieu d'un combat universel, dans lequel Dieu lui-même, de toute la puissance de son esprit, s'est attaqué au mal radical et au péché des hommes pour les anéantir définitivement. Car telle était la volonté du Père, en finir une fois pour toutes avec le mal et la mort en l'homme.
Mais, frères et sœurs, pour que ce combat advienne pour notre salut, il a fallu que Jésus soit porté par un amour total, absolu, un amour sans faille. Il a fallu qu'en Jésus, l'amour d'un frère pour ses frères soit si grand qu'il en devienne capable de prendre sur lui leur mal et toute sa violence, son injustice et sa souffrance. Il a fallu qu'en Jésus, l'obéissance d'amour filial au Père soit si grande que par la puissance de l'Esprit-Saint, il accepte de devenir le lieu de la destruction définitive du mal et de la mort. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel, écrit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Frères et sœurs, sur la croix, nous contemplons alors en ce vendredi saint l'immense amour fraternel et filial de Jésus qui nous sauve. Devant ce grand mystère, comment ne pas vénérer la croix de Jésus? Comment ne pas adorer celui qui, librement, dans son sacrifice d'amour pour le Père et ses frères, a fait de l'arbre de la croix l'instrument de notre salut? Frères et sœurs, nous méditons donc ce soir la profondeur du drame qui s'est noué dans la passion de Jésus jusqu'au paroxysme du dernier instant quand Jésus prononce dans l'évangile de Jean la parole ultime « Tout est accompli » et qu'inclinant la tête, il remit l'esprit. Tout est accompli du combat de Dieu contre le mal et le péché des hommes qui s'achève dans la mort de Jésus. Tout devient silence. Et cependant, frères et sœurs, l'évangile de Jean déjà nous annonce la victoire. La victoire s'annonce dans ce côté transpercé de Jésus, d'où sortent le sang et l'eau, signe de la nouvelle naissance dans l'esprit. La victoire s'annonce dans l'extraordinaire quantité de myrrhe et d'aloès qu'apporte Nicodème au sépulcre, comme une offrande digne du plus grand des rois. La victoire s'annonce dans le tombeau vierge au jardin, préfiguration du premier des passages vers le jardin du paradis retrouvé. Frères et sœurs, c'est dans cette espérance sur la victoire du crucifié que nous veillerons cette nuit et demain dans le silence du samedi saint, avant que ne jaillisse de nos cœurs, à l'aube pascale, le chant de la victoire définitive de la justice de Dieu dans la résurrection d'entre les morts de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, notre frère, Christ et Seigneur. Amen. Chaque vendredi saint, l'Église embrasse le monde dans sa prière. Prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi pour proclamer ton nom,
par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre Saint-Père le Pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour notre évêque Laurent, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église et pour l'ensemble du peuple des croyants. Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille dans sa miséricorde. Après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qu'ils soient incorporés à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi tes enfants d'adoption, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et de les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité, tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour en faire les fils de ta promesse, conduis à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit-Saint, ils soient capables, eux aussi, de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne, pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître.
Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi, le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis les droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir. Que partout sur la terre s'affermissent avec ta grâce la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Prions pour tous ceux qui souffrent des conséquences de la pandémie actuelle. Que Dieu notre Père accorde la santé aux malades, la force au personnel soignant, le réconfort aux familles et le salut à toutes les personnes qui ont trouvé la mort. Dieu éternel et tout-puissant, refuge de ceux qui souffrent, regarde avec compassion la détresse de tes enfants atteints par cette pandémie. Soulage la douleur des malades, donne la force à ceux qui les soignent. Accueille dans ta paix ceux qui sont morts, et en ce temps d'épreuve, accorde à tous le réconfort de ta miséricorde. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent, quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de trouver dans leur détresse le secours de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Frères et sœurs, voici le moment de vénérer le bois de la croix, le bois de Jésus, notre Sauveur. Nous le ferons dans cette chapelle et pendant le chant « Croix dressée sur le monde », si vous voulez, vous pourrez vous-même vous incliner ou embrasser la croix, une des croix qui se trouve dans votre maison. Voici le bois de la croix qui a sauvé, qui a donné le salut au monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a donné le salut au monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a donné le salut au monde. Venez,
Frères et sœurs, comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Fils, entretiens en nous l'œuvre de ton amour. Que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple, qui, bien que dispersé, a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort, augmente sa foi, assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen.